Avant de retrouver toute l'équipe de Récréa 2, comme nous disposons de quelques minutes, nous allons en profiter pour vous informer du programme qui vous attend sur notre chaîne Antenne 2 vendredi soir. Trois titres. Le premier, eh bien, correspond au deuxième épisode de La guerre en pays neutre. C'est un feuilleton franco-suisse. Vous en suivrez donc le deuxième épisode vendredi soir. Il sera suivi d'Apostrophe et d'une émission spéciale consacrée à l'écrivain Georges Simenon. En effet, pour ses mémoires intimes qui viennent d'être publié. Bernard Pivot l'a rencontré chez lui à Lausanne. Et puis le ciné-club du vendredi soir, le cycle japonais qui nous sera proposé par Claude Jean-Philippe. Il a choisi de nous présenter cette semaine un film réalisé en 1951 d'après le roman de Dostoïevski. Il s'agit de L'Idiot. Mais plutôt que des paroles, voici des images de ces trois émissions. Vraiment, ils ne sont pas très bavards. D'ailleurs, ça vaut mieux quand on n'a rien qu'un code tout mité, plein de trous. N'importe qui peut voir à travers. Anna, vous n'allez pas vous remettre à tout dénigrer. Qui avait raison d'avoir confiance autrefois? Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Une carte au 6000e du comté de York. C'était vous, Nadji. Je ne me voyais pas du tout comme ça. Votre femme, je suppose? Eh bien oui, je suis York. Ah oui, j'oubliais. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Vendredi 27 novembre, Bernard Pivot présentera un spécial Apostrophe consacré à Georges Simenon. なんでこれ出しやがるんだ。 すみません。夢を見たので僕先般で死刑の宣告されたもんですか。だってそれで生きてるじゃねえか。際どいところに人違いだってことが分かったんです。でも僕その時のショックで頭が狂ってしまって、それからずっと米軍の病院に収容されて。南方か。 沖縄です。病気がほとんど良くなったんで、この10日ほど前に船に乗せられて帰ってきたんです。どんな病気なんだ。白痴ですよ。白痴。転換性痴呆っていうんですがね。発作で何遍もひっくり返っているうちにバカになったんです。